titre de champion de France à valider. Bonne chance à tous. Allez, c'est parti pour ce prix Gauquin à Rade de Coqueville. Le numéro 12 a été déclaré non partant. Le 2 Henri Pirouette en a fait une justement et a éjecté son partenaire au départ. En revanche, c'est bien le reste des concurrents qui s'est bien élancé et qui fonce déjà pour entrer dans le tournant. Et on va retrouver parmi les chevaux de tête l'incontournable Small and Mighty qui, avec son fidèle Matteo de S. Devaux, est venu s'installer comme il en a l'habitude en tête de course alors qu'ils vont déjà bientôt entrer dans la dernière ligne droite. Il y a le numéro 7, Cosford de Verasus, qui est en deuxième position, alors que le numéro 13, Anisette, vient en troisième place. On retrouve également le 3, Cosford de Péruse, qui est là, alors que les concurrents débouchent maintenant dans la dernière ligne droite. Small and Mighty qui se relance maintenant et qui a toujours l'avantage alors qu'il reste encore environ 300 mètres à parcourir. Mais le numéro 6, Langhetto de Gemina, est maintenant lancé à son intérieur et tente de revenir celui avec également le numéro 7, Cosford de Verasus, qui est en dehors. Small and Mighty qui penche légèrement sur la gauche, qui résiste pour l'instant, mais le 7, Cosford de Verasus, vient de plus en plus vite à son extérieur. Cosford Verasus qui finalement prend l'avantage à Small Molon Mighty qui est en deuxième position. Cosford Verasus avec Kieran Vio Fitzpatrick qui ici a désormais course gagnée, s'imposant devant Small and Mighty. La deuxième, la troisième place pour le numéro 8, Cosford. Sacrée lutte et qui a permis à Cosford Verasus de s'imposer.